Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Mais ça va très bien. Bien. Tu es actuellement ici présente au rassemblement de mars 2022 au Rétro du Plateau et tu as une actualité toute particulière. Tu vas participer en 2023 au fameux Rallye des Gazelles. Est-ce que tu veux bien, Marine, nous expliquer un petit peu à la fois ta passion, mais qu'est-ce qui a comment fait que tu te retrouves dans cette situation où tu vas participer au Rallye des Gazelles? Alors ça a commencé le jour où mon père m'a demandé de changer un embrayage avec lui. Donc j'ai touché la mécanique pour la première fois, j'ai adoré. Et quelques années plus tard, j'ai vu à la télé le rallye Aïcha des Gazelles qui passait et j'ai dit je le ferai un jour. Et ça c'était il y a 10 ans aujourd'hui. Et du fait de changer un embrayage, est-ce que c'est ton cœur de métier? Pas du tout, je suis esthéticienne. D'accord, donc la mécanique et l'esthétisme fait que tu arrives sur le rallye des Gazelles. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans cette actualité? Je sais qu'actuellement tu cherches des sponsors, des gens pour t'appuyer, des subventions. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui on cherche des sponsors, du coup pour la participation financière. On cherche aussi des partenaires pour tout ce qui est équipement du véhicule, mais aussi équipement vestimentaire pour nous. Et là aujourd'hui si je suis là, c'est pour se faire connaître et faire connaître aussi cette aventure qui est très peu connue, puisque c'est des femmes dans un désert, c'est franchement pas ce qui plaît à tout le monde, mais c'est vraiment une très grande aventure, aussi bien un dépassement de soi que humanitaire. Parfait. L'humanitaire, tiens, qu'est-ce que tu vas, on va dire, apporter sur le terrain? Alors là, c'est pas notre priorité, mais par la suite, on voudrait vraiment soutenir les femmes marocaines, hein, puisque pendant le rallye, il y aura le Cœur de Gazelle, c'est une association qui se sert de la logistique du rallye Aïcha des Gazelles pour venir en aide médicale aux plus démunis, donc les villages vraiment reculés qui n'ont pas accès au médical. Et nous, en plus, on veut soutenir cette action, donc on rapportera des objets de préférence féminin, tout ce qui sera soutien-gorge, protection hygiénique, etc. Et en plus du médical pour les aider. Donc ça, c'est la première partie, ça sera pour le rallye. Et nous, à côté, on fera une fête de retour et tous les bénéfices iront à l'association Rêve du CHU Dormant. C'est le fait de réaliser les rêves des enfants. Et au-delà de cet aspect humanitaire, sanitaire, qu'est-ce que tu recherches d'un point de vue sportif? Alors sportif, il y aura le dépassement de soi, mais il y a aussi toute cette partie mécanique, aventure. Et il faut savoir que les 9 jours de rallye, on n'a pas de téléphone, pas de GPS, on ne se sert qu'une boussole et d'une carte pour se repérer dans le désert. Là, je te vois toute seule aujourd'hui auprès de ton véhicule dont on va parler dans quelques instants. Mais voilà, est-ce que tu as un coéquipier, une coéquipière? Alors l'équipe se fera avec Linda, elle n'est malheureusement pas là aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de son fils. Bonjour Linda. Bon anniversaire Lohan. Et sinon, oui, on va faire l'aventure à deux et on fera du coup avec le Terrano qui est juste là. Alors le Terrano, est-ce que tu veux bien un petit peu nous en parler? Où est-ce que tu l'as trouvé ce fameux véhicule? Alors l'aventure du Terrano a commencé en appelant Damien de 4x4 Forest qui est un très grand partenaire qui nous soutient depuis le début. Bonjour Damien. Donc 4x4 Forest, Damien avait ce véhicule là à vendre et à la base moi je l'avais appelé pour qu'il nous donne des cours de pilotage puisqu'en fait il a un terrain à Fécamp et il organise des randonnées en 4x4, du pilotage, des franchissements et c'est comme ça que l'aventure a vraiment commencé avec lui. Donc ça fait un an qu'il nous suit et ça fait un an qu'on a le véhicule. On cherche des partenaires pour des pièces mécaniques, ça peut être tout ce qui va être distribution, tout ce qui va être vidange, ça peut être aussi tout ce qui va être plaquettes de frein, disque de frein. Donc là, oui, ça fait partie de nos recherches de partenaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire auprès de toi? Parce que je sais que tu as une petite plaquette et ton association s'appelle Rallions Ensemble, association sportive et humanitaire. Il y a un Facebook, il y a un Instagram, il y a quelque chose sur lequel on peut se renseigner? Alors, on a Facebook, on a Instagram, on a aussi LinkedIn et on a aussi Hello Asso qui nous permet de récolter des fonds et aussi de nous faire connaître aussi bien des particuliers que des professionnels. Suivez-nous dans cette aventure, abonnez-vous à notre page aussi bien Facebook qu'Instagram, faites-nous connaître et suivez-nous, donnez-nous la pêche pour continuer l'aventure qui est vraiment impressionnante et vraiment géniale. Je vois que tu maîtrises énormément ton sujet. Je te souhaite, je dirais, le meilleur pour la suite, ainsi qu'à Linda, c'est ça? C'est Linda ça, fait partie de... C'est parti de l'aventure. Eh bien, écoute, je vous souhaite le meilleur pour commencer cette aventure qui va démarrer au printemps prochain, en 2023. Je me permets juste un grand merci au Rétro du Nemours de nous avoir accueillis aujourd'hui. Le message est passé. Bonne chance. Merci beaucoup. Et bonne route. À bientôt.